Hello, bienvenue à toutes et à tous sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on est dans le 20e arrondissement, on est rue Alexandre Dumas. Et on va aller voir ensemble un appartement de pièces à louer juste derrière moi, au 88 rue Alexandre Dumas. Alors cet appartement, vous allez voir, c'est une pépite. Je m'avance vraiment pas, vous allez voir par vous-même, c'est vraiment une pépite. Il y a de grandes chances que l'appartement soit loué par un de vous, abonné de ma chaîne. Si vous voyez la vidéo aujourd'hui sans être abonné, pensez vraiment à vous abonner, pensez aussi à activer la petite cloche de notification, car je diffuse systématiquement toutes les nouvelles annonces en vidéo ou en avant-première, avant de mettre l'annonce sur Internet, sur les sites comme Le Bon Coin, Se Loger ou autre. Du coup, si vous voyez la vidéo aujourd'hui parce que vous avez vu l'annonce, bah, c'est peut-être déjà trop tard. Et il y a des chances que ce soit trop tard. Parce que là, l'appartement qu'on va aller voir, c'est un appartement avec une super terrasse, il n'y a pas de vis-à-vis, vous allez vraiment me dire des nouvelles. Allez, on regarde ça ensemble de suite. Le 88 rue Alexandre Dumas, c'est cet immeuble-là. D'accord? Bon, la rue, elle reste calme, c'est une rue sens unique, pas beaucoup de passages, on n'est pas très très loin du métro. Là, ce qu'on voit en fait au bout, c'est la rue de Bagnolet. Du coup, il y a quand même pas mal de commerce, il y a tout ce qu'il faut. En face, on a la petite église. Et l'appartement, il donne pas du tout sur la rue. L'appartement, il est entièrement sur cour. Donc l'appartement est vraiment super calme et il est super ensoleillé. D'accord? Et on va traverser la route et on va aller voir ça en fait ensemble de suite. Du coup, l'entrée. Bon, il y a deux entrées en fait. Entrée gauche et droite, nous on va aller sur celle-ci. Donc l'appartement est au deuxième étage et on a même un ascenseur. Et vu que là il est venu comme les matins, il est 8h30, je suis un peu feignant. Du coup on va prendre l'ascenseur. Nous voilà arrivés sur le palier, on a trois appartements. L'appartement que vous allez voir, c'est celui-ci avec la porte blindée. Et donc, voici cette petite pépite. Donc, on a une circulation, vous voyez, on est vraiment sur un plan avec une petite circulation. On a au bout, là-bas, la salle de bain. Sur la gauche, la chambre. Au milieu, on a la cuisine. Là, ici, le séjour qu'on va aller voir. Et là, on a un dressing. On va commencer par le dressing. Vous voyez, donc, un dressing. Pas mal d'espace de rangement, donc c'est quand même très pratique. Bon, là, évidemment, la locataire a déjà fait ses cartons. La séjour. Alors, on est sur un appartement qui est une superficie en fait moyenne pour un deux pièces, hein. On est juste dans la moyenne, mais il rentre très très bien fait. Vous voyez, donc là, on a droit aux moulures. On voit peut-être pas derrière les affaires, mais là, on a une cheminée. Là, évidemment, c'est le point que tout le monde va apprécier au maximum, la terrasse. On va être dessus, on va commencer par ça. Comme ça, on verra le reste par la suite. Donc voilà la terrasse privative évidemment. Donc vous allez pouvoir en fait jouir si vous êtes cet appartement-là. On n'est qu'au deuxième étage, hein. Je vais vous apprécier le vis-à-vis. Voilà. On a une terrasse en fait sans réel vis-à-vis, hein, puisque le vis-à-vis il est quand même là-bas. L'immeuble il est à quoi? À 30, 35 mètres, quoi, je veux dire. Et puis une fois qu'on est assis, vu qu'il y a la petite verrière là, enfin franchement on est vraiment au top. Exposition plein sud. Du coup, si vous voulez pas faire votre bronzage, ici, aucun souci. Et puis du coup, bah, là on a la cuisine, hein, juste ici. Mais voilà la terrasse. C'est exceptionnel ce type de terrasse là. Dans ce quartier-là, dans ce type d'immeuble-là aussi, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement rare. Et je vous rappelle le prix de l'appartement, hein, qui est vraiment très 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 adapté et qui pourrait être loué bien plus élevé, enfin bien plus cher que ce qu'il n'est. Donc voilà la terrasse. Alors la propriétaire a prévu de faire quelques travaux dans l'appartement avant de le remettre en location. A priori le parquet est autre, donc ça sera à voir. Je vous dirai ça au téléphone quand j'aurai les précisions. D'accord? L'appartement, il se libère là à la fin du mois. On va aller voir la cuisine. Donc la porte, c'est une porte blindée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Au niveau de la cuisine, on a le petit meuble qui est là.
Donc, la cuisine, alors c'est pas équipé, hein, le frigo va partir, il y a juste les plaques qui vont rester. Pas grand-chose à dire, hein, on est sur une petite cuisine qui fait le job, hein, on a du rangement en haut, un petit peu de rangement en bas. Et puis, du coup, avec la porte, on peut aussi la fermer. Là, on va aller voir la chambre. Donc la chambre, pareil, hein, on donne toujours du côté fait de la terrasse. Hein. Donc là, pareil, hein, pas de vis-à-vis et tout. Donc, bon là, les rideaux sont tirés. Il fait chaud, on annonce 35 degrés aujourd'hui. Donc effectivement, le fait de tirer les rideaux va pouvoir permettre de conserver le frais. D'accord? Donc voilà la chambre. On a également une belle cheminée. La chambre reste une très très belle chambre, hein. Elle est quand même spacieuse. Vous voyez, là on a un grand lit. C'est vraiment très agréable. Puis, ben, comme je vous le disais, on est sur la cour, donc c'est vrai qu'il n'y a pas un vent. Je referme les rideaux. Et on va donc maintenant aller voir la salle de bain. Au sol, gens de mer. Donc là, on a nos toilettes. Et on a en fait un petit sèche-serviette. Et on va voir ici une baignoire ainsi qu'une fenêtre. Une deuxième également, donc pour pouvoir bien aérer la pièce. Comme vous pouvez constater, hein, la pièce est nickel, donc pas grand-chose à dire. Et donc vous avez pu remarquer effectivement que par rapport à la photo, qu'ici le carrelage n'est plus orange, il est blanc. Ben voilà, écoutez, on a fait le tour de l'appartement. J'espère que la visite ben vous a plu, que vous appréciez les qualités de cet appartement. Là, je suis sorti de terrasse. Le soleil commence vraiment à taper. Il est quelle heure? 9h03. Voyez, donc 9h03, on est en juin et le soleil commence déjà en fait à bien taquer sur la terrasse, donc c'est quand même pas mal. Je pense qu'un petit parasol ici ferait pas de mal. Du coup, si cet appartement vous plaît et que vous souhaitez en fait aller un peu plus loin, donc je vous invite à me faire parvenir avec les indications qui sont juste à côté de moi ben de votre dossier complet, de manière à ce que je puisse en fait vérifier que vous remplissez bien en fait les critères souhaités par les propriétaires, et à ce moment-là on pourra prévoir une visite. D'accord? Les visites je les fais uniquement une fois que le dossier a été prévalidé, comme ça évite à tout le monde dans les circonstances actuelles de se déplacer pour rien, et puis surtout visiter un appartement comme ça s'il vous plaît et que derrière votre dossier est refusé, c'est quand même un petit peu dommage. Pensez bien à vous abonner, pensez également à activer la petite cloche de notification, ça vous permettra en fait de récupérer toutes les nouvelles vidéos en avant-première. Vous voyez, cet appartement-là, il y a quand même des chances qu'il soit loué à quelqu'un de la chaîne avant même de mettre les annonces en ligne. Écoutez, d'ici là, portez-vous bien. Moi, je vais pas faire un petit peu mon bronzage, je suis un petit peu blanc là après les quelques jours de pluie qu'on a eu ces derniers temps. Je vous souhaite une très bonne journée, puis à très bientôt. Au revoir.